RTCI nous réunit. La gestion de nos affaires économiques et financières pendant les 6 dernières années n'a pas été une gestion sage, n'a pas été une gestion efficiente, et donc il y a un prix à payer. Ce que l'on souhaiterait, c'est que ces mesures-là ne soient pas des mesures prises sous une pression du FMI ou d'autre part, mais qu'elles soient dans le cadre d'une stratégie globale de sauvetage de l'économie tunisienne pour pouvoir passer plus tard à des réformes plus profondes et un véritable redressement de l'économie tunisienne qui reste possible pendant quelques temps encore, mais qui nécessite beaucoup de sacrifices et l'acceptation de certaines mesures, il faut dire douloureuses, mais l'espoir reste permis avec un changement important que nous allons remarquer au niveau de la valeur du dinar, des taux d'intérêt, des prix, de la situation de la fonction publique et d'autres domaines.